Demain nous appartient, 10 novembre 2021, épisode 1054. Karim est innocenté grâce aux aveux de Marjorie. Karim est innocenté grâce aux aveux de Marjorie. Maud et Camille découvrent que Rebecca est leur grand-mère. Sébastien Perrault is back. Martin retrouve Nordine qui a été assommée. Il lui demande d'appeler du renfort. Martin part interpeller Marjorie qui est en train de menacer Anna d'un couteau. Anna est sauvée. Raphaël vient voir Karim au parloir pour lui annoncer qu'on a tenté de tuer Anna et Marjorie est en garde à vue. Pour le moment, pas de preuve que Marjorie aurait pu tuer Jim. Du coup, Karim reste en détention pour le moment. Rebecca observe ses petites filles Camille et Maud et décide de leur parler afin de leur proposer de les voir au Spoon. Les filles acceptent. Jaya est inquiète, elle n'a pas de nouvelles de Jordan. Elle lui envoie un message, Jordan est aux anges. Lissy est surprise, Jordan l'aide à plier du linge. Et elle dit qu'il est juste content que Léo aille bien. Marjorie maintient qu'elle n'aurait jamais fait de mal à Jim, son ange. Aurore trouve Martin trop dur, elle décide de prendre en charge l'interrogatoire. Elle joue la comédie pour que Marjorie parle. Marjorie finit par dire qu'elle ne voulait pas tuer Jim. Mais quand il l'a traitée de folle, elle a pété les plombs. Raphaël se confie à Virginie sur sa mère. Celle-ci pense qu'elle devrait présenter officiellement ses filles à Rebecca. Raphaël se sent paumé, elle ne sait pas quoi faire. Rebecca passe du bon temps avec Maud et Camille pour parler de sa carrière. Maud propose de créer la page internet de Rebecca. Raphaël débarque et Rebecca leur dit qu'elle est leur grand-mère. Raphaël avait dit aux filles que sa mère était morte. Camille et Maud ont du mal à gérer cette nouvelle. Jordan et Jaya étaient prêts à s'embrasser. Mathilde propose de les aider à répéter leur exposé dans le bureau des élèves. Anna est réunie aux côtés des siens avec Marianne, Chloé et Bart. Raphaël annonce à Anna que Marjorie a avoué. Karim va être libéré. Rebecca déprime dans sa chambre du Spoon, elle prend quelques médicaments et regarde des photos du passé. Sébastien appelle Raphaël qui pleure au téléphone et finit par annoncer que Rebecca est revenue. Sébastien dit à sa fille de ne pas s'inquiéter, il va s'occuper de tout. Quand il raccroche, Sébastien est en colère. Anna attend Karim à la sortie de prison, il se serre dans les bras. Anna hâte qu'il reprenne une vie normale. Karim dit à Anna qu'ils ne vont pas rentrer ensemble comme si rien ne s'était pas passé entre eux.